Сочинение, да, время и подпись. Alright, go ahead. Good. And I really want you to have a really beautiful year in 2020 and make our business together. This is, I'm telling you from the bottom of my heart. This guy, he paid me more than $150,000. He told me how he was committing this crime. That's insane. You guys are aiming more for Canadians, right? Yeah, that's true. And how much money do you think that is? About $2.5 billion. Look, this business is working already for how long? I don't know why, but it's still working. The scammers like going after Canadians. It's target number one. Tout commence habituellement avec une publicité sur les réseaux sociaux qui a toutes les allures d'un article de nouvelles. Depuis quelque temps, des images de vedettes internationales apparaissent dans des publications en ligne qui font miroiter la possibilité de faire rapidement fortune en investissant dans les crypto-monnaies. Plus récemment, nous avons constaté que de plus en plus de personnalités canadiennes voient leur image être usurpée par le biais du même stratagème. Des politiciens, des vedettes du petit écran ou même des visages bien connus de Radio-Canada. Dans chacun de ces cas, l'image de ces personnes a donc été utilisée sans leur consentement à des fins de publicité frauduleuse. Tentées par la possibilité de faire fructifier leurs investissements, plusieurs personnes succombent et cliquent sur ces publicités sans se douter qu'elles viennent de mettre le doigt dans un redoutable engrenage. J'avais cliqué sur le web pour aller trouver des informations là-dessus. Finalement, ça m'intéressait. Alors, j'ai cliqué, puis j'ai dit, je vais aller voir ça. Nous avons nous-mêmes tenté l'expérience en 2022. Nicolas s'était alors inscrit sous le prénom fictif de Bertrand afin de protéger son anonymat. Quelques minutes seulement après avoir transmis ses coordonnées, Nicolas recevait un appel d'un supposé conseiller en investissement. We're gonna open trade that Bitcoin is gonna go up, and when it eventually goes up, you're gonna make profit. How much profit do you actually gonna make? If you start right now with a minimum amount, you can get up to 30% every week. So I'm sending it right now 0.004 BTC. That's 311.53 Canadian. Okay. However, while you do that, I need to let you know, sir. You need to, we're gonna need a couple documents for verification. Maybe you have an ID or maybe a driver's license. Nous n'avons pas complété la transaction de crypto-monnaie. Fernand Larouche, lui, est allé au bout du processus et il le regrette amèrement. Tout ce que j'ai investi, je l'ai perdu. C'était tout près d'un million. On s'en va dans un pays européen. On peut pas vous dire où est-ce qu'on s'en va parce qu'on s'en va rencontrer une source confidentielle, un lanceur d'alerte qui s'appelle Alex. Il voulait parler à des journalistes canadiens parce qu'il a déjà travaillé dans des centres d'appel qui fraudaient des gens partout dans le monde. Il veut nous expliquer comment ça fonctionne de l'intérieur. Les centres d'appel frauduleux sont de plus en plus nombreux. Selon certaines estimations, on en dénombre plusieurs centaines dans le monde, principalement en Europe de l'Est. Subtilement contrôlés par le crime organisé, mais avec des apparences de légitimité, ils génèrent chaque année plusieurs milliards de dollars. En 2019, Alex a travaillé dans un centre d'appel frauduleux situé à Kiev, en Ukraine. Après quelques mois, il a décidé de quitter et d'alerter les autorités. Alex tenait à se confier à des journalistes canadiens. Jeff est allé à sa rencontre, quelque part en Europe, dans un endroit gardé secret. It was second half of 2019.
C'était en 2019. J'ai indiqué sur le site que je cherchais un emploi. J'ai reçu un appel et on m'a donné un rendez-vous avec les ressources humaines. Selon ce qu'on me disait, il s'agissait d'une société financière. Ils n'ont jamais parlé d'arnaque ou de quelque chose de suspect. J'ai commencé à travailler aux ventes et après environ un mois, c'était clair qu'il s'agissait d'une arnaque. Quand vous avez réalisé que c'était criminel, vous avez décidé d'enquêter de l'intérieur? You're going to investigate it from the inside? Yes. Oui. C'était assez dangereux, j'imagine? Yes. Oui, mais au début, je ne réalisais pas à quel point j'étais en danger. How was it dangerous? Plus tard, lorsque j'ai quitté l'Ukraine et que j'ai découvert qui se cachait derrière ça, j'ai compris la chance que j'ai eue. The doctor said that I was lucky to live. De quitter l'entreprise sans ennui. Without being damaged. Alex entre alors en communication avec des journalistes suédois. Équipé de caméras cachées, il passera les semaines qui suivent à documenter ce qui se trame à l'intérieur des murs de ce centre d'appel situé à Kiev. Expliquez-nous ce qui se passe à l'intérieur de ces centres d'appel. Dites-nous comment ça fonctionne. Tell us exactly how they function. Normalement, un centre d'appel compte environ 150 personnes, dont une centaine aux ventes. Je veux dire, des gens qui obtiennent une liste de victimes potentielles à appeler. Potential victims, to make them calls. Ils doivent tenter d'obtenir le FTD. FTD. Sorry? FTD from the victim. First time deposit. Le premier dépôt entre 50 et 250 dollars américains. So after that, ensuite, le dossier de la victime est transféré à la rétention. Ceux qui travaillent à la rétention sont très motivés car ils obtiennent entre 8 et 15 % de tous les prochains dépôts des clients. They were well motivated. Get from 8 to 15% from every deposit from the client. All the money going to crypto. Tout l'argent va à la crypto. Je n'ai jamais vu le moindre cent être placé dans de réels investissements. Donc soyons clairs, ce ne sont pas de véritables sociétés d'investissement. C'est une arnaque à 100%. 100% scams. Yes. Oui. Je n'ai jamais vu de vraies sociétés financières. Tout l'argent des victimes va à la crypto. Those companies. Get from the victims, go to the crypto, go to cash, va aux criminels, go to the criminals, va aux autorités corrompues, corrupted authorities, et à l'ensemble des personnes qui se cachent derrière. Aucune des sommes transférées aux employés de ces centres d'appel n'est donc réellement investie en crypto-monnaie. Pour faire croire aux victimes que leur investissement fructifie, les fraudeurs leur font parvenir de faux tableaux, de faux graphiques en apparence très crédibles, mais qui leur montrent en fait des gains fictifs. So you filmed this with a watch? Yes. A security guy with the guns. Oh yeah. He's ex-police officer. This is the top manager who made millions of dollars from the clients. Well, he's a young guy, yeah. Yes, he's 22. Had the video on, he's talking to his victim, wishing all the best. After he said, I fucked him for $150,000. You have that on video? Yes. Can we see that? He's top scammer, talking to the client, for the vision. I want to tell you something important. I'm really happy that I know you in this year, and I really want you to have a really beautiful year in 2020, and we make our business together bigger. I understand it was some stuff that bad happened this year, and I wish that in 2020, you and your family, all of you, you have a beautiful year, and I wish you that you will reach each by each one of your wishes. Alors, il l'appelle le 31 décembre. Il lui demande même pas d'argent. Qu'est-ce qu'il fait exactement? What was he doing there? Il fait semblant d'être un ami.
pas seulement un conseiller financier, mais un ami. I wish you a really good time, brother, and speak to you on Wednesday. Come up here. Thanks a lot. Thank you. Bye bye. Okay. This guy, he paid me more than $150,000. $150,000? Wow. Do you still pay the money for Steve? Culpabiliser le client, lui faire croire qu'il a commis des erreurs, est une des nombreuses tactiques employées par le fraudeur pour garder sa victime captive. En lui faisant croire que le fait de ne pas réagir assez rapidement à une baisse du cours du Bitcoin a plombé la valeur de son investissement, le fraudeur pousse sa victime à investir davantage afin de récupérer les sommes prétendument perdues. The Bitcoin dropped. Yeah. I told them the reason that you are asking for a screenshot is to confirm the transaction. Okay. But you didn't send us a screenshot for the next 3 hours. How do you know? Did you make projection? Because Bitcoin has to fall, yeah? Yeah, I checked the market before. Yeah. And I said, this hour, the Bitcoin dropped. Okay. Fuck. He would. He fucked him twice? More than six times, seven times. Oh my God. Et combien d'argent ce top fraudeur aurait gagné en volant cette victime? 8%. So he would have made something like 10-15,000. Il a donc fait entre 10 et 15 000 $. That's crazy. C'est fou. That's absolutely crazy. C'est complètement fou. Hey, Simona. Hi. How's it going? It's going well. How are you? Pretty good, pretty good. C'est grâce à la journaliste Simona Wineglass que nous avons pu entrer en contact avec Alex. Elle l'avait interviewé dans le cadre de son documentaire Billion Dollar Scam, produit par la BBC en avril 2023. Affiliée au quotidien Times of Israel, Simona est une sommité en ce qui a trait à l'univers très opaque des centres d'appel frauduleux. Quand on parlait ensemble il y a 2 ans et demi, on ne savait pas combien de ces groupes criminels existaient. On pensait peut-être 6 ou 7, peut-être même 10. Est-ce qu'on en sait plus? Il y en a environ 25 à 30. Ils sont répartis en Europe de l'Est, en Israël et en Géorgie. Certains d'entre eux volent des dizaines de milliards de dollars par an. Et sans prédateurs naturels, ils continuent à se multiplier. Why did you want to talk to us? Because I see that Canadians target number one. Après la pause, un centre d'appel basé en Ukraine qui cible uniquement des victimes canadiennes. You guys are aiming more for Canadians, right? Yeah, that's true. Vous nous avez parlé d'un centre d'appel à Kiev qui cible les Canadiens. Qu'est-ce qu'on sait de ce centre d'appel? Tell us a bit about what we know. Nous savons que le centre d'appel cible exclusivement les Canadiens. It has been targeting exclusively Canadians. Et nous savons où il se trouve. We know where it's placed. C'est dans cet immeuble du centre-ville de Kiev, en Ukraine, que se trouve ce centre d'appel. Ce bâtiment héberge plusieurs entreprises et même une banque. Je sais qui est derrière tout ça. Le centre d'appel fait partie du groupe Milton. You know this call center is part of Milton Group. Le groupe Milton, pour lequel travaillait Alex, est l'un des plus importants groupes criminels à faire fortune grâce à ses centres d'appel frauduleux. Dans cet article, publié en avril 2023, des journalistes d'enquête de la BBC ont pu identifier 152 entreprises faisant partie de ce réseau criminel. Et ce centre d'appel n'est pas le seul qui soit lié au groupe Milton. C'est l'un des centres d'appel de Kiev qui s'en prend aux Canadiens. Ils ont publié des offres d'emploi en anglais et ils visent le marché canadien. And it's about Canadian markets. Nous avons répondu à l'une de ces annonces.
publiée sur la plateforme Telegram, cette offre d'emploi visait l'embauche de travailleurs pour le département des ventes et le service de rétention de la clientèle. L'offre était liée à ce centre d'appel basé à Kiev qui cible exclusivement les citoyens canadiens. Nicolas a donc soumis sa candidature en se forgeant une autre identité. Harry Farchi, un Italien basé à Rome, ayant déjà travaillé dans des centres d'appel du même genre. 2 heures plus tard, il reçoit une réponse de la responsable des ressources humaines de l'entreprise. Salut. Dans quel pays voudrais-tu être relocalisé si la compagnie t'aide avec le logement et le déplacement? L'Ukraine m'intéresserait. Parfait. Kiev est une très belle ville, je crois que tu vas aimer. On pourrait se charger de te relocaliser. L'offre est pour le marché canadien. Les quarts de travail sont de 21 h à 6 h le matin. Salaire de base, 1 000 plus entre 9 et 15 %. On pourrait également discuter de commissions plus élevées, autour de 15 à 20 par mois. Serais-tu intéressé? Bien sûr que ça m'intéresse. À propos de la relocalisation, comment ça fonctionne? Est-ce que j'aurai également un endroit où rester? Bien sûr. Pour les premiers mois, nous allons louer un appartement pour toi et allons t'aider à entrer en Ukraine. Parfait. Quelles sont les prochaines étapes? La prochaine étape sera l'entrevue avec le gérant. Je vais lui envoyer ton contact et il t'appellera aujourd'hui. Et tel que promis, peu de temps après, Nicolas reçoit l'appel d'un certain Léo. Hello? Hi, Ari. How are you doing? Yeah, I'm not doing too bad. Yourself? Amazing. So your HR did talk to you, asked me to give you a call so we can see what are your qualifications. Moreover than that, the ways that you are taking money from the clients. So anything that you can come up with, tell me. Après avoir donné quelques détails sur sa prétendue expérience, Nicolas entre dans le vif du sujet et aborde la question des objectifs réels de ce centre d'appel. From what I gather, you guys are aiming more for Canadians, right? Yeah, that's true. And it's only night traffic, night shifts in Kiev. Yeah, and I was just wondering about the clients in Canada. Like, as I know in the United States and pretty much everywhere, the whole inflation situation is worrying people, and I was just wondering if that was something that was affecting your business, or if more people were investing because of that, or... I wouldn't say that there is much more difference. Look, this business is working already for how long? Same advertisement and the same everything. So it's like, look, stupid people, you're always looking for some kind of whatever that they can invest, do nothing, and bring in more money for you. It's never changed. Even though the advertisement, even the affiliate, they never changed the advertisement. I don't know why, but it's still working. Okay. So it's always the same shit in Canada, just always the same shit. Yes, it is. What do you think? Pourquoi croyez-vous que le Canada est une cible? Because of law enforcement. Parce que les autorités n'ont jamais poursuivi les arnaqueurs. Have you ever heard? Avez-vous déjà entendu parler d'une poursuite intentée par les autorités canadiennes contre ces centres d'appel? Non. Non. Je n'ai aucune information. J'ai vu beaucoup d'avertissements de la part des autorités financières du Canada, mais pas de véritable poursuite. Aux yeux de notre informateur, les autorités canadiennes ne font rien alors que dans d'autres pays, les forces de l'ordre sont passées à l'action et la justice a sévi. En 2019, aux États-Unis, Lee Elbaz, une Israélienne reconnue coupable d'une fraude du même genre, a été condamnée à 22 ans de prison. En 2021, la police allemande a effectué des descentes dans 7 centres d'appel basés au Kosovo. Au total, 18 personnes ont été arrêtées. En janvier 2023, Europol menait une opération contre un groupe criminel impliqué dans la fraude à l'investissement. 15 personnes ont été arrêtées et près d'un million de dollars américains a été saisi. En 2021, nous avons descendu, avec l'aide des polices lituaniennes et lettonnes, un groupe criminel qui réalisait 100 millions d'euros par mois. Il y a relativement peu de crimes qui permettent d'avoir de tels montants-là. Donc forcément, ça attire. Et les groupes criminels essayent toujours d'opérer
sans vraiment connaître les frontières. Et Europol, avec les partenaires, nous travaillons de manière concertée pour leur envoyer un message très fort que nous aussi, les forces de l'ordre, sommes capables de travailler sans connaître de frontières. Seules de véritables condamnations ou des poursuites policières peuvent avoir un effet. Lorsque les arnaqueurs ont appris que les autorités suédoises lançaient des actions contre eux, ils ont arrêté de viser les victimes suédoises. Immédiatement? Immédiatement. This company, what they do, everything is fake. En 2019, Alex entre en contact avec des journalistes d'enquête. Le 1er mars 2020, après avoir travaillé de près avec Alex, le journal suédois Dagens Nyheter révèle l'existence de cette fraude visant, entre autres, des citoyens suédois. Deux jours plus tard, le 3 mars 2020, la ministre des Affaires étrangères suédoise, Anne Linde, exige que des actions soient menées contre le groupe Milton. Le 11 septembre 2020, les autorités suédoises passent à l'action et frappent le groupe Milton qui gérait ce centre d'appel. En résumé, seulement 6 mois après les révélations du journal Dagens Nyheter, les autorités suédoises ont donc frappé durement le groupe Milton et la réaction des fraudeurs a été immédiate. Ils ont bloqué les sites web pour la Suède. Ils ont fermé les comptes ouverts des victimes suédoises. Tout s'est arrêté. Personne d'autre que la police et les forces de l'ordre ne peut arrêter cette industrie. Mais seuls les Allemands s'en sont réellement occupés. Depuis août 2018, en Allemagne, une équipe spécialisée formée d'enquêteurs et de procureurs traque les groupes cybercriminels comme le groupe Milton. Dans son documentaire paru en 2023, Simona Weinglass est allée rencontrer en Allemagne Nino Goldbeck, procureur général et expert en matière de poursuites pénales contre le cybercommerce à l'Office central de la cybercriminalité de Bavière. They are operating like professional legal companies. And that's what we say, this is organized crime. In the very beginning, we weren't sure at all whether we will identify any suspects and that there will be any arrest ever. But after 3 years, we see there are dozens of arrests and we were able to identify really huge networks of scammers. We're seeing a lot of ads with Canadian flags. Nous voyons beaucoup de publicité avec des drapeaux canadiens qui visent des clients canadiens. On ne voit pas beaucoup de publicité avec des drapeaux allemands. Est-ce que ça te surprend? Is that surprising to you? Well. Eh bien, ça montre que les poursuites fonctionnent. Et le Canada, malheureusement, a fait très peu pour poursuivre ces arnaqueurs. Et dans les rares cas de poursuites, les amendes ont été pitoyables et personne n'a été mis en prison. Le crime paie et le crime contre les Canadiens paie. Crime pays and crime against Canadians pays. You tried to reach out to Canadian authorities. Vous avez essayé de communiquer des informations aux autorités canadiennes. Quelle information avez-vous envoyé et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envoyé de l'information via un site web. Je crois que c'était le centre antifraude. Et j'ai offert les informations que j'ai recueillies sur le groupe Milton et les crimes qu'ils ont commis contre les Canadiens. The crimes they committed against Canadians. Mais je n'ai eu aucun retour. I got no feedback. Après la pause, plusieurs pays sévissent contre les groupes criminels qui opèrent les centres d'appel. Ces forces policières veulent protéger leurs citoyens. Les autorités canadiennes en font-elles assez? On peut penser que s'ils ciblent agressivement les Canadiens, c'est parce qu'ils n'ont pas peur des autorités canadiennes. Certainement. Nous avons tenté d'obtenir des réponses de la part des autorités canadiennes. Au ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, on nous a répondu par courriel que le ministre Dominique Leblanc n'est pas disponible pour cette entrevue. Et on nous encourage à contacter la GRC et le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada. La GRC a pour sa part décliné notre demande d'entrevue. Par écrit, un porte-parole nous a expliqué que des équipes spécialisées en crypto-monnaie auraient notamment permis de confisquer 6 millions de dollars en drogue, en équipement et en produits de la criminalité.
Nous avons également tenté de joindre la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly. Nous n'avons eu aucun accusé de réception. Why are these cases so complex for authorities and why are they so powerless? They're not powerless. Mark Solomons est enquêteur principal au sein de l'entreprise de renseignement privé australienne IFW Global. Cette entité travaille en étroite collaboration avec les autorités pour traquer les cybercriminels et tenter de récupérer les sommes volées à leurs clients. Nous, les enquêteurs d'IFW, entretenons des relations très étroites avec les forces de l'ordre du monde entier. Et dans certains cas, ces relations sont bien plus efficaces que celles que les autorités gouvernementales ont elles-mêmes avec les forces de l'ordre d'autres pays, parce qu'elles se retrouvent généralement coincées dans des formalités administratives qui dépassent leur juridiction. Nous n'avons pas ces problèmes. Nous pouvons simplement décrocher le téléphone, passer un appel, parler à notre contact et obtenir des renseignements. Ça nous permet d'avancer très vite et d'établir des liens très rapidement, alors que ça pourrait prendre des mois, voire des années, aux forces de l'ordre gouvernemental. Selon vous, comment le Canada est-il perçu par ces criminels? How is Canada seen by these criminals? These criminals love Canada. Ces criminels adorent le Canada. Les Canadiens sont amicaux, ils sont ouverts aux autres cultures, ils sont relativement riches, ils ont un taux d'épargne relativement élevé et de bons fonds de retraite. And fairly good retirement provision. So there's a lot of friendly people sitting on. Il y a donc beaucoup de gens sympathiques avec beaucoup d'argent qui constituent une belle cible pour ce type d'escrocs. En plus de cela, vous avez un gouvernement fédéral et un système d'application de la loi qui conduisent inévitablement à de l'inefficacité, à un manque de coordination et à un manque de partage de renseignements. Une population relativement bien nantie et des autorités qui n'en font pas assez, voilà pourquoi des fraudeurs ciblent les Canadiens et réussissent, dans certains cas, à leur soutirer toutes leurs économies. Avez-vous quelque chose à dire aux victimes de ces arnaques? N'ayez pas honte. Affronter ces escrocs, c'est comme si un boxeur amateur allait se battre avec un boxeur professionnel. Vous n'aurez aucune chance de gagner. Allez à la police. Demandez de l'aide à la police. Ne vous arrêtez pas. Il est toujours possible de retrouver ceux qui se cachent derrière ces arnaques. Les crypto-monnaies sont souvent utilisées pour effectuer des transactions en ligne de façon confidentielle. Si les crypto-monnaies peuvent en effet rendre l'argent plus difficile à pister, elles ne permettent toutefois pas un anonymat absolu. Lorsque les autorités disent qu'elles ne peuvent pas retracer les crypto-monnaies, ce n'est pas vrai. Ils le peuvent. L'une des beautés de cette technologie est qu'elle est entièrement traçable. Et généralement, les criminels ne veulent pas conserver leurs actifs en crypto pour toujours. Ils veulent l'encaisser quelque part. Pour cela, ils doivent interagir avec une institution qui doit tenir des registres. Ces enregistrements varient considérablement en qualité et en fiabilité. Mais il y a au moins quelque chose à faire. Et c'est généralement la véritable clé pour débloquer ce type d'enquête. Plus concrètement, l'argent généré avec ces arnaques, que finance-t-il exactement? Où va cet argent? Qu'est-ce que les gens achètent avec cet argent? Une partie de cette somme sera donc consacrée à se payer du luxe. Mais il y a une limite à ce que vous pouvez dépenser en yacht et en vacances. Une chose qu'on remarque, c'est qu'ils veulent être considérés comme des hommes d'affaires. Donc, ils investissent dans des entreprises légitimes afin de légitimer leurs entreprises criminelles. Nous avons constaté des liens entre les personnes qui dirigent ces groupes criminels et certaines personnes très puissantes dans le monde des affaires et en politique. Il est possible qu'une partie des produits de ces crimes soit utilisée pour financer des activités politiques de toutes sortes ailleurs dans le monde. Where do you see this going? How do you see this evolving if we're, you know,
looking towards the future. Comment tout ça risque d'évoluer si on regarde vers l'avenir? Ce qui me fait peur, c'est que ces escrocs sont capables d'utiliser les réseaux sociaux pour accrocher les gens et ensuite les persuader de donner leurs économies. Ils le font encore et encore des millions de fois. Ils disposent de très nombreuses données sur ces gens et savent comment les persuader. Et je crains qu'avec l'introduction de l'intelligence artificielle et d'autres technologies plus sophistiquées, certains de ces escrocs seront capables de persuader les gens encore plus efficacement qu'ils ne le font déjà. Et si vous pouvez persuader quelqu'un de vous donner toutes ses économies, vous pouvez les convaincre de faire n'importe quoi. Ça peut donc être utilisé à des fins politiques pour inciter les gens à voter d'une certaine manière. C'est très effrayant. Et j'aurais vraiment aimé que les forces de l'ordre du monde entier s'y soient attaquées plus tôt. What would your message be? Quel serait votre message pour les autorités canadiennes? Je leur dirais que ce n'est pas un problème de réglementation. C'est un problème de criminalité. Je suis sûr que le Canada est très doué pour enquêter, poursuivre, condamner et extrader les délinquants lorsqu'il s'agit de drogue, d'armes à feu illégales ou d'autres infractions graves. Pourquoi pas une fraude? Pensez-vous qu'un pays comme le Canada serait en mesure d'exercer des pressions pour que des actions soient prises? Bien sûr. C'est un grand pays qui a une influence politique mondiale. C'est un pays du G7. Il est nécessaire de protéger les citoyens. Et de protéger le pays. Parce que l'argent que les citoyens ont perdu, c'est l'argent que le pays a perdu. On ne sait pas où va l'argent. Dans la crypto, vers des autorités corrompues, vers le marché noir, la drogue, les armes. Destination inconnue. Si vous aviez une chose à dire au gouvernement canadien ou aux autorités canadiennes, que diriez-vous? Je dirais que c'est le temps d'agir. I'd like to say that it's time to start.